Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing de la My Little Box de mars 2019. Donc comme vous pouvez le constater, elle n'est pas de forme rectangulaire comme d'habitude, mais de forme orthogonale. Octogonale, pardon. Donc en fait sous forme de polygone à 8 côtés. Oui, je sais, je suis pas très bonne en maths. Et donc en gros, voilà, se présente comme ceci avec des sortes de citrons, voilà. Enfin, ça fait un petit peu printanier, même si le coloris reste un carton plutôt neutre. Voilà. Donc ça c'est la box, donc il y avait la petite étiquette ici. Donc je l'ai pas découverte, hein, je l'ai juste ouverte ici pour pas que ça fasse de bruit la vidéo. Et donc lorsqu'on l'unbox, elle se présente comme ceci. Donc avec une petite trousse. Hop. Une petite trousse en plastique. Donc comme ceci. Et donc on a une. Je pense que c'est le petit flyer. Donc on a toujours les motifs citron qui reprennent l'emballage de la box. Et donc là, je pense que ça va être notre petit menu qui est à l'intérieur. Et on voit un petit peu les produits par transparence. Alors, c'est ça, le petit menu, je ne sais pas. On va voir ensemble. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent? Toujours plus de soleil, plus de citron, plus de jaune, plus de joie. My Little Box. Voilà. Alors, ils vous disent quoi? Jaune citron. Orange mandarine, rose pamplemousse. Cette box passe par toutes les couleurs de la vitamine C. Pour pousser le gris dans ses retranchements et sortir victorienne de l'hiver, il suffit d'un zeste. Ah, un jeu de mots, il suffit d'un zeste. Voilà. Donc ce n'est pas le menu. Je pense que le menu, c'est ce petit produit-là. Donc on ne va pas regarder tout de suite. Alors, piochons, piochons. Donc bon, sur ce petit papier-là, je ne sais pas si vraiment c'est le menu. On a la recette. Je ne sais pas si la clarté se fera. On a la recette d'une limonade maison. Donc avec deux citrons, de l'eau pétillante ou de l'eau plate et du sucre de canne. Donc ils vous disent de rouler le citron entre les pouces entre votre paume et une table, décidément. Ils donneront le meilleur de leur jus. Coupez-les en deux et envoyez-les se trémousser sur le presse-agrumes. Faites frémir d'impatience la cuillère à café à sucre nanana, avec de l'eau nanana. C'est la base du sirop. Mélangez le sirop et le jus de citron. Rajoutez de l'eau à votre convenance et rafraîchissez 2 heures au réfrigérateur. Servez dans un grand verre et surmontez d'une belle rondelle de citron pétillée. Donc voilà. Et là, on vous parle de quoi? Je ne sais pas si c'est les produits qu'il y a dans la box. Donc là, on vous parle d'une confiture, visiblement. D'une crème au citron et de la vitamine. Bon, je pense que c'est des produits à base de citron. Donc on va découvrir la box ensemble. Donc, moi, je suis attirée par ce. Donc on n'a pas l'air d'avoir de menu ce mois-ci. Donc je suis attirée par ce petit truc-là. Bon, bah, comme son nom l'indique, je pense que c'est un presse-agrumes. Donc on a. Donc je pense qu'il ressemble à ça. On va le déballer. Donc voilà. La déco de l'emballage. Voilà. Et donc, quand on l'unbox, ça se présente comme ceci. Donc, il est. C'est pas du plastique, ça en dirait de la céramique. Ou voilà. Et on a le petit estampillé My Little Box brodé dessus. Et se présente comme ceci. Voilà. Presse-agrumes en céramique. Ma foi. Oula. Ne le casse pas. C'est pas le moment. Goodie plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Lemon, donc ce sera, je pense, autour du citron à la thématique du mois. Lemon Superfood All-in-One. Qu'est-ce que nous avons? Donc c'est vegan, cruelty-free et 96% naturel, c'est de Dr. Botanicals. Donc c'est une contenance de 50 millilitres. Ah, c'est un beurre réparateur tout en un au citron Superfood. Je ne sais pas si on verra. Voilà. Se présente comme ceci. Donc je pense que c'est ça la photo qu'on a là. Voilà. Ensuite, par contre, on n'a pas les prix ce mois-ci. Donc on. Ce autre produit, citron givré, My Little Box. Donc une boîte en métal. Avec. Ah, je pense que ce sont des. Vous savez, les espèces de patchs réutilisables, vous savez, qu'on met au frigo ou au congèle, faudra voir, comme des sortes de compresses froides, voilà, et qu'on pose sur les yeux. Enfin, je pense que c'est. Ouais, ça, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent? Citron givré, glissez ces tranches de citron au réfrigérateur, donc frigo, hein, pas congèle. À la sortie, posez-les sur vos paupières, nanana. Ouais, c'est pour décongestionner les yeux, je trouve que ça, c'est vraiment efficace, donc voilà comment ça se présente. Dans une petite boîte en métal toute jolie. Donc voilà, pour l'instant je suis contente du contenu de la box, on a quand même des produits sympas.
On continue. Alors, on a un produit de chez Biolage. Je pensais que c'était Biolane, mais c'est Biolage. Donc, c'est un color shampoo care. Donc, shampoing protecteur de couleur pour cheveux colorés au lait de coco et au limantès. Voilà, donc on a une miniature de 50 millilitres. Voilà. Et puis, avec un emballage. Donc, c'est avec 86% de produits d'origine naturelle. Sans silicone, sans sulfate, sans parabène. Voilà. En fait, il fallait pas traduire, c'était écrit en bas. Voilà. Ensuite, on a ce petit baume Vitamix. Je crois que on verra pas. Vitamine Pink. Voilà. En fait, faut que je me mette à distance. Donc, le produit My Little Beauty du mois, qui est très dur à ouvrir. Donc, c'est un baume à lèvres, je pense, qui se présente comme ceci. Voilà. Ensuite, on passe au dernier produit de la boîte, qui est emballé dans un petit papier de soie comme ceci. Et au travers, je peux vous dire déjà ce que c'est. C'est un petit bocal. Voilà, donc c'est le produit qu'on avait dans le menu. En fait, le menu, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas tous les produits en fait. Donc c'est le dernier produit qu'on avait là. Donc on avait celui-ci, le Vitamine Pink, le produit My Little Beauty du mois. Et on a le Matin Crunchy. Alors on a une petite confiture. On a 30 grammes de confiture Bonne Maman. 30 grammes de confiture, je sais pas, avec la lumière, je sais pas. 30 grammes de confiture bonne maman à la mandarine d'Italie. Donc on a 30 grammes, voilà, on a une petite miniature et voilà. Donc c'est dommage, ce mois-ci, on n'a pas eu les petits. Qu'est-ce que je disais? On n'a pas eu le petit menu pour savoir un petit peu les prix, mais je pense que déjà la box est plutôt qualitative en termes de produits. Et voilà, donc je suis contente de cette box du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!